Donc ici, c'est tous les communs pour il y a 9 chambres ici pour 9 personnes. Donc nous avons toujours un four, un micro-ondes, des plaques métrothermiques, un évier et des rangements. D'accord. Et aussi en bas. Ensuite, nous avons aussi des frigos pour chaque Deux, ouais. personne qui est dans nos placements. Mmh. Et après, il y a toujours un petit salon avec les poubelles aussi, et le petit salon. Il y a la D'accord. petite cuisine pour manger. Mmh. Donc ici, c'était quand on a montré, c'était les communs. Et ici, on va aller au petit coin TV. Mmh. Donc là, c'est vraiment le petit coin sympathique pour le locataire. Hop. Donc, un extérieur. Bien. Voilà. Hop. Ok. C'est une petite terrasse d'abord. Et là, l'espace extérieur. D'accord. Et puis la façade qu'on a refaite, il n'y a pas besoin de montrer un peu. Ok, super, ouais. Voilà. Donc ici, c'est le commun. Je vais vous montrer une chambre alors. Oui, ouais, c'est possible. On va monter. Les doubles dans chacun dans sa chambre. Ok, super. Un bureau aussi à chaque fois. Là, les penderies ici pour mettre leurs vêtements. Et dans chaque chambre, c'est soit une salle de bain privée ou une salle de bain partagée, mais maximum 2 personnes. D'accord. Et il y a 7 salles de bain pour 7 chambres. Elle est en bas. D'accord. Parfois, elle est juste en entre salle en bas ou juste à côté. Ça dépend de chaque maison. Donc ça c'est là c'est Et ça, c'est la salle de bain.